On a travaillé sur 4 façons de faire un portrait. Et on a travaillé sur 18 portraits, c'est-à-dire 18 mêmes personnes qui sont des enfants de l'IME et des gens de la résidence autonomie. Et ce sont les collégiens et les élèves de CM1, CM2 de Madame Capelle qui ont réalisé les portraits que vous allez voir. Ce que je vous propose, c'est une balade qui va se passer en 4 temps. Et pour vous, en fait, vous allez avoir du travail. Pendant cette balade-là, il va falloir aller à la rencontre de ces personnes. Il y a 6 mois, on leur a demandé de remplir un petit questionnaire en se racontant un petit peu leurs couleurs préférées, leurs souvenirs, ce qu'ils n'aiment pas, leur humeur, est-ce qu'ils sont plutôt grincheux, est-ce qu'ils sont plutôt comme ça. Et donc le but de cette visite, c'est que vous, à la fin de cette visite, vous connaissiez 18 nouvelles personnes. J'espère que vous allez avoir le temps, tout ça, ça va vous demander un peu de curiosité. Il y a des petits indices à aller chercher. Alors comment il s'appelle ? Mesdames, messieurs, par ici, s'il vous plaît. Avec différentes textures pour que ça fasse un rendu flou. Et du coup, je vous laisse regarder. Bonjour.
Non, ça ne fait pas. Allô, maman. Ça ne fait pas. Entrez, vous installez où vous voulez. Salut, bonjour madame. Coucou, bonjour. Comme une sœur de Tania, avec qui vous avez travaillé. Voilà, un gros fou rire et puis ça c'est. On ne peut plus contrôler, mais elle a été très mécontente ce matin. Elle a dit une bêtise sans faire ce que c'est abstrait. C'est vous qui avez fait votre. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'adore ce prénom, il est très joli. Et on cherchait Aminata. Atina lava, 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 atina